Mathieu Lustrerie, reportage. Gargas. C'est ici qu'il y a 8 ans, Régis Mathieu a installé son atelier de lustrerie dans une usine d'ocre du 19e siècle, un lieu magique qui renferme une collection unique de luminaires. Donc dans nos collections de lustres anciens, ce qui est amusant avec celui-là, c'est que c'est le plus ancien. On peut le dater de 1424 ou antérieur à 1424 parce qu'il est sur un tableau de Van Eyck, le mariage des époux Arnolfini, tableau célèbre dans lequel on retrouve ce lustre. Et nous venons de l'acquérir dans une vente Pierre Berger. Mathieu Lustrerie a trois activités, le dessin et la création de luminaires contemporains, la restauration de lustres de monuments historiques avec de prestigieux clients, le château de Versailles, l'opéra Garnier ou l'Élysée, et enfin la réédition d'anciens lustres. L'ampoule est spécifique sur tous nos lustres en fait, c'est une ampoule qui ne marche que sur nos lustres mais qui est censée restituer parfaitement le look mais surtout l'ambiance lumineuse d'une vraie flamme et d'une vraie bougie. Donc, ce que je veux, moi, quand je vends un lustre, c'est aussi vous donner l'ambiance du lustre au 18e. Cette entreprise, créée à Marseille dans les années 40 par le père de Régis, a compté plus de 200 salariés. En 1992, à seulement 20 ans, son fils souhaite relancer cette affaire, alors en pleine crise, après la désaffection du grand public pour les lustres. J'ai une chaîne de vraies compétences, de ciselures, de dorures, de montures, de dessinateurs, de sculpteurs. Comme dans toute chaîne, chaque maillon est important. Et en fait, moi, je ne donne que la direction et je suis l'œil qui permet chaque produit à mon empreinte. Donc, je suis le chef d'orchestre qui fait que un instrument ou un maillon de la chaîne ne va pas jouer une fausse note. Le jeune entrepreneur se spécialise alors dans le sur-mesure. Il va chercher les clients un par un. C'est moi qui allais proposer un savoir-faire en restant complètement ouvert, en disant aux clients, on a un savoir-faire, on a une histoire, on a un passé, on a une culture. Vous avez un plafond, un crochet, on peut sûrement faire quelque chose ensemble. Ainsi, il obtient la restauration de lustres de l'Assemblée nationale ou de la Comédie-Française. Puis, il décide de développer son business à l'international. Aujourd'hui, Mathieu Lustrerie dispose d'un magasin à New York, à New Delhi et d'un showroom à Moscou. Ses clients sont l'Opéra de Philadelphie, la boutique Cartier à Saint-Pétersbourg ou un designer réputé qui commande une création pour l'aéroport de Macao. À ce jour, le carnet de commandes est rempli jusqu'en 2012. Il y a un vrai prix et il y a un vrai délai de fabrication. Les gens viennent en me disant « mais moi je veux tout de suite mon lustre, pourquoi vous mettez 6 mois à le fabriquer ?» Leader dans son domaine, l'entreprise fournit des pièces d'exception réalisées par une équipe de 20 salariés dont elle complète la formation. Quelqu'un qui sort d'une école, aussi bonne l'école soit-elle, va avoir besoin d'une dizaine d'années avant d'acquérir des gestes qui sont des automatismes et qui nous permettent de réaliser un produit parfait. En 2009, le chiffre d'affaires de Mathieu Lustrerie croît de 25% pour atteindre les 4 millions d'euros. Régis Mathieu, on l'a vu dans le reportage, Patrick Canac, c'est lui qui dirige aujourd'hui Mathieu Lustrerie. Pour vous, il fait partie de la nouvelle génération de patrons? Il est jeune et il n'est pas enfermé, je dirais, dans cette enclave Gargas-Apt. Et Monsieur Mathieu voyage dans le monde entier et exporte dans le monde entier. Voilà ce qui, pour moi, est l'exemple d'un patron vauclusien.